Alors, travailler, il y a plusieurs sens du mot travail, mais celui que moi je retiendrai, ou j'ai en tout cas envie de communiquer, c'est agir pour obtenir un résultat. C'est se consacrer à une tâche pour obtenir un résultat. Et dans l'idée, c'est pas la durée du travail qui va compter, ou le fait de faire telles heures, telle journée, de 7 heures ou 8 heures dans la journée, c'est d'avoir réalisé une tâche, c'est d'avoir obtenu ce résultat. Donc travailler, c'est agir, c'est construire. Et si vous obtenez un résultat, vous êtes content d'avoir obtenu, vous êtes épanoui. C'est le côté épanouissement de l'asiatique que j'aime beaucoup. C'est ce côté, on ne se consacre pas à une tâche pour le faire et dire je vais travailler le matin, je rentre le soir, j'ai travaillé, j'ai une dure journée. Non, non. Travailler, c'est justement parce que vous avez construit, parce que vous avez agi, parce que vous êtes consacré et que vous avez obtenu un résultat, que vous êtes fier et que vous êtes content. Et de ce contentement, eh bien, vous avez un épanouissement naturel qui fait que vous devez être de plus en plus passionné et de plus en plus maître et de plus en plus efficace. Et l'épanouissement au travail, eh bien, il n'y a rien de plus beau.